fait un beau soleil à ce moment-là de la journée. Souvent après la pluie, c'est une nouvelle journée qui commence dans des sports de longue durée. Alors on va s'intéresser à cette partie. Avec une sabatine, on parlait tout à l'heure de la nouvelle. Elle est de nouveau au service, un match qui a bien commencé pour elle. Il y a des tours qui paraissent faciles mais qui servent énormément, qui aident la joueuse à être bien dans le tournoi, à trouver ses marques, à trouver ses coups. Et en plus, elle a un taux de réussite. Avantage. Ouais, elle s'en tire bien là, avec un joli lob. Elle arrive à son meilleur niveau physique et psychologique, son jeu s'est déplacé vers l'avant. Oui, avec un petit peu de pouce. Ah, c'est bien fait, bien masqué en tout cas. Voilà. Il va servir pour remporter le premier set. Et encore un coup en touché. Ah oui. Allez, audacieuse, elle a pu frapper cette balle avec beaucoup de puissance et de longueur de balle. Sabatini débordé. Balle 40-30. De 7, une balle. Ah oui, encore une fois avec beaucoup de volonté, d'audace et un... Ça a touché, ça a touché le juge de filet, mais en tout cas ça fait 6 jeux à 3 en faveur de Gabriella Sabatini. On va tourner une page de publicité et on refait le point après cette... Là on a l'impression que ça joue sur le central, mais malheureusement ce n'est qu'une impression, c'est un trucage. Puisqu'il y a les parapluies au premier plan et que là on retrouve l'enregistrement du match du cours numéro 1 qui a lieu en début de journée alors qu'il faisait beau. Et que l'on retrouve donc Gabriella Sabatini et Patricia Yi, que voici. Alors que Gabriella a remporté la première manche. En tout cas, c'est animé avec Patrice. Ah, c'est bien claqué. Encore un lob qui fait...
course à deux. Oh, quelle était belle l'approche de Gabriela Sabatini avec une balle qui. Ah ouais. Elle n'attend pas le rebond, Sabatini. Ouais, bien sauvé. Et encore une amorce. Et oui, on s'est bien approché pour la jouer en vol. Il y a beaucoup d'ambiance sur le central parce que. Oui, tout à l'heure, Emilio Sanchez. Et oui, et c'était logique. En plus, j'étais pratiquement sur la ligne de service. Oh là là, le retour. Elle tourne autour de son revers. C'est là, s'il vous plaît, les joueurs sont prêts. Merci. Merci. Ah ouais. C'est la bonne, la première. En 2-7 donc pour Sabatini, la possibilité de se qualifier pour les quarts de finale sans avoir concédé le moindre set. Et en ayant eu un match un tout petit peu accroché en fin de première manche, mais finalement la puissance de Gabriela Sabatini, son physique.